Donc, sans plus tarder, je voudrais entrer dans le, on va dire, dans le vif du sujet. Hein? Ce message, je ne vous cache pas, quand je l'ai préparé, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de tribulations. Le message que j'ai préparé part de la foi. Donc, si ma foi n'aurait pas été toute la semaine, voire les 15 derniers jours, on va dire, mis à l'épreuve, je n'aurais pas pu l'apporter. Comment je fais, moi, pour vivre, pour vous apporter un message que je ne peux pas vivre? Ça ne résonne pas correctement avec la parole de Dieu. Non, non, ce qu'on annonce, il faut qu'on le vit. Ce qu'on témoigne, il faut qu'on le vit, mes frères et sœurs. Amen. Donc ce message, bien que vous l'aviez entendu plus d'une fois, par différents serviteurs de Dieu, puis par notre pasteur, parce que quand j'ai préparé ce message, la Bible dit que tout concourt au bien de ce qui aime Dieu, et notre pasteur a mis les deux pieds dedans. Donc je me suis dit, Seigneur, est-ce que réellement tu veux que je l'apporte? Ben, je dis oui, Seigneur, je veux l'apporter. C'est la foi. Je l'ai pris par la foi. Je dis, Seigneur, je veux l'apporter. Tu me l'as donné de cette manière-là. Ton serviteur, tu l'as donné d'une autre manière. Donc, comme je disais un jour à un frère, je disais, les messages, ils vont se suivre. C'est normal. C'est parce que le Saint-Esprit veut nous interpeller. Mais les messages ne vont pas se ressembler forcément à l'identique. Vous comprenez que la parole de Dieu, elle parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Amen. Donc, on va dire, le premier passage de l'Écriture qu'on va lire ensemble, bien sûr, qui parle de la foi, hein, c'est Hébreux 11. Hein, Hébreux chapitre 11 et verset 1er. Béni soit Dieu. Donc, voilà ce que nous dit l'Écriture. Hein. Il nous dit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est d'espérer quelque chose que l'on désire de tout notre cœur, jusqu'à ce que on l'obtient. C'est ça, la foi. Ça peut être un travail, une situation professionnelle, un problème familial, un problème de santé, etc., etc. La foi, c'est d'avoir confiance, c'est avoir, comme la Bible dit, une ferme assurance. C'est quelque chose de solide, en quoi on a confiance. Vous savez, aujourd'hui, on a des assurances pour la maison, des assurances pour la voiture, et des assurances qu'on appelle les assurances vie. Donc, le jour où il nous arrive un pépin, ben, forcément, il faut qu'on soit sûr que cette assurance-là, elle va marcher. Donc, on a confiance. On y met, on va dire, presque tout notre cœur. Hein? Eh bien, la foi, c'est ça. C'est avoir une ferme assurance dans les choses qu'on espère. Alors, j'aimais bien cette façon de parler qu'avait un vieux pasteur à l'époque, Digan, qui est parti près du Seigneur, que j'ai très bien connu, puisque c'est lui qui m'avait baptisé à l'époque, il y a un petit peu plus de 20 ans maintenant. Il disait, la foi, eh bien, c'est tout simplement être assis sur une chaise. Si vous n'êtes pas sûr que la chaise elle va vous soutenir, vous n'allez pas vous asseoir. Mais comme vous savez qu'elle va vous soutenir, eh bien, vous allez vous asseoir. Eh bien, la foi, c'est ça. C'est simple, hein? C'est pas compliqué, la foi. Hein? Que Dieu soit béni. Donc, Matthieu 21 et au verset 22, hein? Je prends mon temps pour parler, mes frères et sœurs, parce que j'ai eu des remontées la dernière fois où je ne laissais pas trop les frères et sœurs chercher dans les Bibles. Je suis désolé, vous savez, quand on est jeune, comme moi, même si j'ai un peu d'âge, mais je suis quand même jeune dans le ministère ancien et on est fougueux. Vous savez, on a le cœur qui bat fort et on voudrait tellement dire ce que le Seigneur met sur notre cœur et qu'on ne laisse pas toujours le temps aux frères et sœurs de chercher les textes. Donc Matthieu 21 et verset 22 va nous dire tout simplement ces mots-là. Hein. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous ne le recevrez pas. Ah si, et si, vous le recevrez, hein, que Dieu soit béni. C'est ça la foi. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, et au verset 16 jusqu'au verset 18, la parole va nous dire ces mots-là. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Ah, c'est important ça. Frère et sœur, il faut le retenir. La foi, elle donne le salut. Hein. C'est important.
Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons et ils parleront de nouvelles langues. Ah, la foi, elle donne accès au baptême du Saint-Esprit. Verset 18, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ah, la foi, elle donne la guérison. La foi nous donne cette puissance, une puissance, c'est celle du Saint-Esprit. Car c'est par le Saint-Esprit que nous recevons quoi ? Ben, la foi, puisque c'est lui qui nous convainc de justice, de péché et de jugement. Et oui, ça, vous le trouvez dans... Ne l'affiche pas, hein, Clément. C'est 1 Corinthiens 12, 9. Lorsque Paul, bien sûr, il parle des dons spirituels, hein, il dit par le même esprit, à un autre, le don de guérison, etc. Il va dire, ben, un autre, ben, la foi, par le même esprit. La foi, ben, elle ne se complique pas la vie, tout simplement. Et dans l'Écriture, Jésus va nous donner des exemples, bien sûr. Il va nous parler de la foi simple d'un enfant. Et ça, c'est dans Matthieu 18, verset 1er. Les disciples s'approchent de Jésus pour lui poser une question, bien sûr. Et la question qu'ils posent les disciples à Jésus, c'est, bien sûr, qui est le plus grand dans le royaume des cieux ? Et Jésus, il appelle un petit enfant, il le place au milieu d'eux, et il dit, au verset 3, « Je vous le dis en vérité, si ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme l'un des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Recevoir la foi simple d'un enfant. Un enfant, quand on lui promet quelque chose, il le croit. Et dur comme fer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous lui dites, tu restes là pendant 2 heures, et quand je reviens, si tu n'as pas bougé, je t'offre 1 kilo de bonbons, je vous garantis que les 2 heures, il va y rester là. Ah, il va bouger, hein, mais il va y rester sur la chaise. Eh oui, pourquoi ? Parce qu'il a foi dans les paroles de son père. On est des exemples pour nos enfants. Si moi, mon fils, je lui promets quelque chose, ben, il va se tenir à carreau. Hein. Surtout quand je lui dis, mais aujourd'hui, tu pourras jouer à la console pendant 2 heures. Je vous garantis qu'il va être sage comme une image. Mais c'est ça, la foi simple d'un enfant. C'est tout simple. Et pour nous, c'est la même chose. Hein. On doit croire aux paroles de Dieu, de Jésus-Christ, les paroles de l'Écriture. Jean, au chapitre 6 et au verset 35, Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Hein ?» Et j'ai mis une petite parenthèse, j'ai marqué « Celui qui a foi en moi », c'est-à-dire celui qui croit en moi. La foi, elle désaltère et elle nourrit. Alors, la foi, d'où vient-elle ? Comment elle se manifeste, la foi, en nous ? Par quels moyens ? Donc, comme on l'a lu un petit peu plus haut, ça vient pas, en réalité, ça ne vient pas de nous. Ça n'est pas en nous. Elle ne vient pas comme ça un matin, en claquant des doigts. Ce matin, je me lève et je vais avoir la foi à transporter les montagnes. Frères et sœurs, si on arrive à faire ça le matin, on est des champions, hein, je vous le dis. Hein. Mais en réalité, non. La foi, c'est un don de Dieu. Ça ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Un don, comme je le disais la dernière fois, quand je parlais des dons spirituels et surtout du don de prophétie, c'est un don. C'est gratuit. Et ça, on le trouve dans Éphésiens, au chapitre 2, au verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, la grâce donc un cadeau immérité, par le moyen de quoi ? Ben de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. La foi, frères et sœurs, elle est différente de chacun d'entre nous. On va dire quelque part, on n'a pas le même degré de foi. Parce qu'on n'est pas tous passés par les mêmes épreuves. À chacun son épreuve particulière, personnelle, qu'on fait avec Dieu. Je vais prendre un exemple. Clément, parce qu'il est en face de moi, je le vois.
Clément, il est jeune dans la foi, on va dire quelque part. Il n'y a pas longtemps qu'il est passé par les eaux du baptême. Mais son niveau de foi avec la mienne, il est différent. Parce qu'on n'est pas passé par les mêmes difficultés. On n'est pas passé par la même école. Quoique, l'école, à un moment donné, elle se rejoint. C'est la même. C'est celle de la foi de Christ. Donc la foi, elle a des différents degrés par rapport aux étapes par où on est passé. Et pour nous montrer, on va dire, les étapes de la foi, le Seigneur nous donne des exemples dans la parole de Dieu. Et l'exemple qu'il nous donne, c'est l'exemple d'Abraham, appelé le père de la foi. Dans la vie d'Abraham, il y a eu des étapes, et la relation que Dieu a eue avec Abraham a dû se faire en plusieurs étapes. Elle n'est pas, comme je vous disais tout à l'heure, elle n'est pas née comme ça un bon matin. Et ça, on va le voir ensemble un petit peu plus loin, parce qu'on va revenir, j'ai relevé des points sur la vie d'Abraham, justement, et en parlant de la foi, on ne peut pas passer à côté de parler d'Abraham, on va dire, c'est un exemple, Abraham, pour nous, les croyants. Donc, de même pour nous, qui croyons en Dieu, il y a des étapes. Il y en a eu, et il y en aura encore, dans notre vie spirituelle. La vie, elle dit que cet adage du monde, on dit que la vie, elle forge un caractère. Vous avez vu, avant d'être converti, moi, j'avais un drôle de caractère, parce que c'était la vie, comme ça, qui m'avait endurci. Mais Dieu, lui, il nous forge avec la foi. Par le biais des différentes épreuves. Les disciples, lorsqu'ils viennent voir Jésus, qui leur pose cette question, ils disent Seigneur, enfin, ils ne leur posent même pas une question, ce n'est même pas les disciples qui posent une question, ils leur disent Seigneur, augmente-nous la foi. Le Seigneur va leur dire tout simplement si vous avez la foi d'un grain de senevé, grain de senevé, c'est la plus petite des graines, le Seigneur dit, la plus petite. Et j'ai pris une version. Une traduction dans la version Semeur, dans Luc au chapitre 17 et au verset 5. Donc les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et là au verset 6, le Seigneur va leur dire, si vous aviez la foi, leur répondit le Seigneur, même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier là, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer. Et il vous obéirait. Vous obéirez, pardon. Alors Jésus prend l'exemple d'un grain de senevé, cette petite graine, parce que lorsqu'elle pousse, la Bible dit, elle devient plus grande que les légumes, à seule fin que les oiseaux du ciel viennent s'y percher dans ses branches ou se cacher sous son ombre. Voilà. Mais cette graine aussi, malgré qu'elle est petite et qu'elle pousse, on va dire qu'elle devient plus grande que les légumes, elle doit aussi passer par des étapes de sa vie. Comprenez, c'est pas on prend pas une graine. Je sais pas si vous avez vu le film Astérix et le domaine des dieux. Le druide il est magique, il jette un gland, pouf, le chêne il apparaît. Oh, merveilleux. Non, c'est pas comme ça. Le Seigneur il jette la graine et quand on jette la graine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en prendre soin. Il faut l'arroser. Déjà la planter, il faut l'arroser, il faut l'entretenir, etc. Voilà, il faut faire le travail d'un jardinier, on va dire. C'est ça, c'est que le Seigneur veut en faire ressortir. On prépare d'abord le terrain avant de planter la graine. On défriche, on enlève les cailloux, les buissons, tout ce qui ne va pas, tout ce qui va gêner, tout ce qui va, on va dire, qui va étouffer la graine. On la met du côté du bon soleil où il va bien se lever, où elle sera éclairée, qu'elle n'est pas trop chaud, pas trop froid. On laboure le terrain pour retourner la terre, pour préparer à y mettre du fumier, tout ce qu'il faut. Et puis des fois, quand on retourne la terre, surtout quand vous venez chez moi. Quand on passe le motoculteur, il y a des cailloux comme ça qui remontent. Alors, je ne sais pas d'où ça sort, mais ils sont comme ça. Les agriculteurs, ils savent de quoi on parle quand on laboure la terre. C'est ça. On fait remonter ce qu'il y a de caché parce qu'on ne veut pas que la plante elle tombe là où il y a des cailloux. On veut qu'elle soit dans la bonne terre. Mais la foi, c'est ça. La foi, c'est qu'elle fait remonter des choses dans notre vie. Des fois, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Mais avec la foi et notre sanctification, il y a des choses qui remontent, et là le Seigneur nous les montre. Alléluia, qu'il faut s'en débarrasser, bien sûr, il ne faut pas les garder. Donc notre foi, vous avez bien compris, elle passe par des étapes, mais bien sûr, ce qui est important par rapport à la graine, c'est qu'elle doit grandir. Elle doit pas, notre foi ne doit pas stagner. Parce que si on stagne, il va y avoir des problèmes dans notre vie. Parce que si on prend, par exemple, l'exemple de l'eau d'une mare.
Hein? C'est une eau qui stagne, l'eau d'une mare, parce qu'elle n'est pas renouvelée. Alors, comme elle n'est pas renouvelée, qu'est-ce qui va se développer à l'intérieur? Eh bien, des bactéries. Il va y avoir des germes, et elle sera impropre à la consommation. On ne pourra pas la boire. Si on la boit, eh bien, on va devenir malade. Hein? Mais par contre, si c'est une eau qui coule, hein, elle est renouvelée, on peut s'y désaltérer, c'est une eau pure, fraîche, hein, et on va dire qu'elle ne sent pas mauvaise. Hein. Et Jésus va nous dire dans Jean 4, 14, c'est là qui est merveilleux. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, amen, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, ce qui est important de retenir, en lui, pas chez le voisin, mais en lui, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Une source d'eau, c'est-à-dire qui est continuellement renouvelée. Continuellement. Continuellement. Alors si on est renouvelé continuellement comme une source, ce n'est pas que pour nous. C'est aussi pour désaltérer les autres. Les frères, les sœurs, mais aussi les gens qui sont au dehors, qui ont besoin d'être sauvés, d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Mais pour ce faire, vous avez bien compris, comme moi, hein, ben, faut avoir la foi. Et pourquoi faut-il avoir la foi? Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais à qui? Eh bien, à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Hein? Béni soit Dieu. On doit croire que Dieu existe. Un chrétien qui ne croit pas que Dieu existe, c'est bizarre quand même. Hein? Donc, sans la foi, pas de sanctification, pas de consécration et pas d'obéissance. Donc la foi, elle, par contre, quand on a la foi, c'est elle sauve, elle guérit, elle restaure et elle nous assure les meilleures promesses de Dieu. Alors comment avoir la foi? Ben, il faut tout simplement être à l'écoute de la parole de Dieu. Hein, et on lit ça dans Romains au chapitre 10-17. Hein. Or, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si on se meurt. Donc la foi naît du message que l'on entend. Donc ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, ça ne vient pas de nous. Hein? Il faut que la parole de Dieu soit semée dans un cœur pour que la foi puisse naître. Donc le message naît du message que l'on entend et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. Hein? Et le message que l'on entend, c'est celui de l'Évangile. Hein? Béni soit Dieu. Et même Jésus le dira lors de sa prière sacerdotale. Hein, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je te prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi. Par quoi? Par leur parole, par la parole des disciples. Béni soit Dieu. C'est-à-dire nous, que lorsque le Seigneur nous dit, allez par tout le monde pour annoncer la bonne nouvelle, c'est que nous, on peut susciter la foi dans les cœurs de quelqu'un en parlant de quoi? De la parole de l'Évangile. L'Évangile, elle va susciter la foi. Même l'Évangile, elle suscite des fois la curiosité de certaines personnes parce qu'ils ne connaissent pas en réalité. Donc, quand le Seigneur dit « Je te prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole », c'est-à-dire que nos paroles à nous, comme la parole, elle le dit, il faut qu'elles soient assaisonnées de sel, hein, des paroles dites à propos, eh bien, on sème la parole de Dieu et on peut semer la foi dans les cœurs. Hein? Béni soit Dieu. Donc, et bien sûr, et pour parler de la foi, nous ne pouvons pas passer à côté, bien sûr, d'Abraham, hein, le père de la foi. Et Abraham, pour vivre ce qu'il a vécu, il a dû apprendre. Hein, c'est ce qu'on avait entendu par notre pasteur, l'école de la foi. Hein, là, on est à l'école du témoignage, hein, qui est à l'école de la foi, bien sûr. Et on ne peut pas faire l'économie de ne pas parler d'Abraham, hein, cet homme de foi. Donc j'ai pris quatre points sur
la parole sur Abraham, bien sûr. Bon, je vais essayer de ne pas être trop long, mes frères et sœurs, mais c'est tellement important de s'arrêter, de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire ce matin par rapport à la foi. Alors Abraham, bien sûr, il part à la rencontre de Dieu. Hein. On ne sait pas comment, on va dire, Abraham connaît Dieu. La parole de Dieu ne le dit pas. Mais on sait que Abraham, Dieu va lui parler. Donc on va lire dans Genèse 12, les versets premiers. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan ou de Charan, ça dépend comment on traduit le mot. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, et avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusque sous les chênes de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Donc la rencontre qui se fait avec Abraham et avec Dieu, ça m'a toujours un petit peu interpellé, parce qu'elle est différente par rapport à celle de Moïse. Quand Moïse monte sur la montagne, Dieu va lui dire ces mots. Il va dire, je suis le Dieu de ton père. Mais Dieu va encore préciser. Il va dire, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il sait qu'à ce moment-là, Moïse, il sait que c'est Dieu qui lui parle. Mais pour Abraham, c'est différent. On ne sait pas de quelle manière il connaît Dieu. Abraham, on sait que c'était un descendant de Sem, fils de Noé. Hein? Donc de quelle manière il connaît Dieu, on ne sait pas trop. Est-ce que son père lui en avait parlé quand il était plus jeune? On ne sait pas. La Bible ne le dit pas. On sait juste que dans Exode 6.3, quand Dieu parle avec Dieu avec Moïse, il lui dit « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. » Dieu ne dit pas à Abraham « Je suis le Dieu de ton père. » Il ne lui dit pas ça. Il lui dit juste, il lui dit « Quitte ton pays. » C'est particulier, hein. « Quitte ton pays. » Et Dieu parlait avec Abraham par des visions et des songes. Hein. Il ne parlait pas de la même manière avec Moïse. Donc, mais qu'est-ce qu'il va faire, Abraham? Il va faire confiance, tout simplement. C'est ce que je disais tout à l'heure, avoir confiance. Hein. Donc, il va lui faire confiance. Et Abraham va quitter son pays pour aller où? À Canaan. Et là, qu'est-ce qu'il fait quand il part? Eh bien, il part tout simplement à la rencontre de Dieu. Le deuxième point qu'on va voir ensemble, c'est une confiance qui va s'installer entre Dieu et Abraham. Mais pour que cette confiance s'installe, Abraham va devoir passer par quelques épreuves. Eh oui. Parce que pour pouvoir avoir confiance en quelqu'un, mes frères et sœurs, on le met à l'épreuve. On ne va pas lui confier, par exemple, vous n'allez pas me laisser le volant de mon véhicule à quelqu'un que je ne connais pas. Comprenez? Il va falloir qu'il me montre qu'il sait conduire et que je peux avoir confiance en lui. Comprenez? Eh bien, les preuves d'Abraham, c'est ça. Hein? Avec Dieu, c'est la même chose. Il ne va pas nous confier des œuvres si on n'est pas capable de les faire.
Le Seigneur, au départ, qu'est-ce qu'il va faire de notre vie spirituelle? Comme je disais tout à l'heure, entre moi et Clément, la différence de foi, on va dire, hein, c'est qu'il ne va pas nous confier de grandes choses si on n'est pas capable de les porter. Il va nous donner d'abord des petites choses. Pourquoi? Parce que dès qu'il va nous trouver fidèles dans des petites, ben là, il va nous en confier des grands. Parce qu'il ne va pas nous donner des grandes choses si on n'est pas fidèles. Comprenez, mes frères et sœurs? Abraham, avant qu'il soit appelé Abraham, il était appelé Abraham. C'est-à-dire père élevé. C'est après qu'il est devenu Abraham, père d'une multitude. Vous voyez, il y a un degré, il y a, on va dire, il y a, par rapport aux œuvres. Vous voyez, Abraham, dès qu'il est parti de Charan pour aller à Canaan, il ne s'est pas appelé Abraham tout de suite. Non, non, il y a eu une étape. C'est après qu'il est devenu Abraham, père d'une multitude. Hein? Donc après que Abraham s'installe à Canaan, hein, ben il va y avoir une famine très forte, au point que Abraham, ben il va être obligé de partir en Égypte. Hein? Et bien sûr, qu'est-ce qui va se passer en Égypte? Il va y avoir une épreuve. Et cette épreuve, c'est que Pharaon va convoiter la femme d'Abraham, c'est-à-dire Sarah, hein, et il va la prendre pour femme. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il avait dit, c'est ma sœur. Donc Abraham, quelque part, il essaye de se cacher. Hein? Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, Dieu ne va pas permettre quand même la situation. Merci Seigneur. Hein? On a un Dieu qui veille sur ses promesses. Hein? Et quand il fait quelque chose, il le fait merveilleusement bien. Donc Dieu ne va pas permettre à Pharaon de toucher la femme d'Abraham, bien sûr. Hein? Donc, ce que Dieu va faire, il va empêcher que Pharaon, bien sûr, quelque part, il pêche, hein, par rapport à Abraham. Donc, il va lui rendre sa femme, hein, parce qu'il va y avoir, parce que l'Éternel va envoyer de grandes plaies sur le roi Pharaon et sur ses grands, hein, bien sûr. Hein, il va lui rendre sa femme. Donc, Abraham, après cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va connaître la séparation avec son neveu. Hein. Ensuite, il y aura cette guerre avec les rois, hein, où il délivre son neveu, quand son neveu est capturé, bien sûr. Il y aura la rencontre avec Melchisédek, hein, qui est une typologie de Christ. Et bien sûr, le problème qui se pose pour l'époque, c'était la stérilité de sa femme. Hein. Sarah ne pouvait pas enfanter. Donc c'est ce qu'on va voir après, hein, ensemble, dans Genèse, on va le voir ensemble. Genèse chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Hein, Dieu parle à Abraham par des visions. Et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Alors j'ai juste souligné ce verset 6. Il n'y a pas écrit que Abraham eut confiance en l'Éternel. Non, non, non. Il y a écrit Abraham eut confiance en l'Éternel. Abraham ne voyait pas encore la chose. Hein. C'est-à-dire, il ne voyait pas la descendance devant lui. Dieu lui avait dit, regarde, si tu vois les étoiles du ciel, si tu veux les compter, voilà, telle sera ta descendance. Et Abraham eut confiance en l'Éternel, comme s'il avait vu de loin en réalité. C'est ça, il l'avait vu de loin. C'est merveilleux. Donc la foi d'Abraham, cette confiance qu'il a eue en Dieu, elle va être éprouvée. Après tout ce qui s'est passé, elle va être éprouvée.
Dieu va lui demander quelque chose de particulier. Au bout d'un certain temps, Dieu va donner, on va dire, il va exaucer Abraham hein, dans ses prières, parce que Dieu nous honore hein, quand on le prie, il ne fait pas qu'écouter, hein, mais aussi il agit. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va honorer sa parole et il va lui donner un fils à Abraham, Isaac, fils de la promesse. Mais voilà que Dieu va éprouver Abraham d'une façon assez particulière. Il va lui dire, et on va le lire ensemble. Genèse, vous l'avez en Genèse 22, verset 1er, et jusqu'au verset 8. C'est pour ça qu'il est bon de lire les textes pour qu'on puisse comprendre, pour être vraiment, on va dire, imprégné dans la parole de Dieu. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit. Il dit Abraham et il répondit, me voici. Dieu appelle Abraham. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, il le précise, hein, Isaac. Va au pays de Morija et de là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi, le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Regardez comme elle se met en action déjà la foi d'Abraham. Alors qu'il sait que Dieu lui demande un sacrifice, au verset 5, il dit, nous reviendrons auprès de vous. C'est fort, hein? Voilà la confiance qu'Abraham a en Dieu. Il avait cette confiance que Dieu était grand, puissant, pour pouvoir ressusciter les morts. C'est fort, hein? Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble. Et au verset 7, alors Isaac parla à son père, à Abraham, et il dit à son père, dit, mon père, et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Et Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Donc on sait qu'au verset 8, quand Abraham parle à son fils, qu'il dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même, on sait quelle est l'image qui en ressort de ce verset, c'est Christ sur la croix. Dieu se pourvoit lui-même pour le sacrifice, pour expier le péché de l'humanité. Hein. Donc on va se poser cette question, mes frères et sœurs, pourquoi Dieu demande à Abraham une telle chose? Pourquoi? Pourquoi après l'avoir béni et lui avoir fait toutes ses promesses, Dieu demande de sacrifier son fils? Puis pas n'importe lequel. Il lui dit celui que tu aimes, Isaac, le fils de la promesse, de qui devait descendre une multitude de nations. Mais Jacques, quelque part, va nous donner un petit peu la réponse au chapitre 1er. En parole vivante, J'ai fait le choix de cette version parce que je vais en faire ressortir deux mots qui sont importants par rapport à la vie d'Abraham et bien sûr pour notre vie. Au verset 2, il va dire ceci, Jacques. Mes frères, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations. Estimez-vous heureux. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Verset 3, vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve, et si elle tient bon, elle développera votre endurance. Mais pour que vous parveniez à une pleine mature spirituelle, il faut que l'épreuve
achève son œuvre sans que votre constance se relâche, que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Ainsi, vous serez plein de force et vous parviendrez au but. Vous deviendrez irréprochable et il ne vous manquera rien du tout. Rien. Alors, les deux mots que j'ai voulu faire ressortir, c'est une maturité spirituelle et de l'endurance. C'est ce que Dieu a voulu faire ressortir de l'épreuve d'Abraham. Cette maturité spirituelle. Cette maturité spirituelle. Et ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Jacques chapitre 2, verset 23. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme juste, et il fut appelé ami de Dieu. La foi nous fait appeler ami de Dieu. Alors pourquoi cette maturité spirituelle et pourquoi cette endurance? Ben, quand on voit un petit peu l'exemple d'Abraham, lorsque Dieu l'appelle, Abraham, il est âgé de 75 ans. On l'a lu hein, ensemble. Et c'est à l'âge de 100 ans que vient la naissance d'Isaac. Abraham a attendu 25 ans pour voir la promesse de Dieu s'accomplir. 25 ans, c'est pas hier. Hein. C'est pas hier, 25 ans. Moi, je me rappelle quand j'avais 20 ans, en arrière, il y a 20 ans, j'avais 25 ans, j'étais pas comme ça. J'ai eu du développement. Hein. Que Dieu soit béni. Mais voyez, cette maturité spirituelle et l'endurance, tout ce que Abraham a vécu dans ses épreuves, eh bien, il a été endurant. Il n'a pas douté une fois de ce que Dieu pouvait accomplir. Et on le voit là, hein, cette maturité spirituelle. Dieu lui demande d'offrir son fils, celui que tu aimes, celui de la promesse. Et Abraham n'hésite pas. Abraham n'hésite pas. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il en est de notre foi? Cette foi plus précieuse hein, que l'or éprouvé par le feu. Hein. Est-ce que ces épreuves ne nous ont pas fait un petit peu reculer? Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. On n'est pas des surhommes. Hein. Vous savez, des fois, quand on se dit, ah, mais moi je suis prêt à franchir toutes les montagnes. Que Dieu te bénisse. Moi, je préfère monter des petites collines d'abord. Et après, je saurai comment il faut faire pour être alpiniste. Hein. Parce que vous savez, moi, déjà, je monte sur, on va dire, trois bords d'une échelle. Je commence déjà à avoir les jambes qui tremblent. Et il ne faut pas que je regarde en bas parce que même à 2 mètres, j'ai peur. J'ai le vertige. J'ai la peur du vide. Hein. Donc, moi, je veux prendre mon temps avec Dieu. Je veux justement que ma foi, elle soit endurante pour qu'elle arrive justement à cette maturité spirituelle. Ça, c'est important. Et un Pierre, il dira, un Pierre au chapitre 1er, au verset 6, hein, verset 7, on va dire plutôt au verset 7, parce qu'il parle, des épreuves, et Pierre va dire, afin que votre foi éprouvée, hein, Abraham, sa foi a été éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur, lors de la révélation de Jésus-Christ. Quand on éprouve l'or, c'est pour en faire ressortir toutes ses impuretés, pour qu'il paraisse, on va dire, net, propre, pur. Hein? Eh bien, la foi, c'est pareil. Notre foi, il faut qu'elle soit éprouvée par les épreuves pour nous amener justement à cette maturité spirituelle. Et notre foi qui est éprouvée par les épreuves, ben, poussera Dieu à renouveler ses promesses envers nous. Donc, on va arriver au quatrième point. Je ne sais pas si on aura le temps de tout voir, mes frères et sœurs. Vous me laissez un petit peu de temps, s'il vous plaît. Mais Dieu va confirmer sa promesse. Parce qu'il y a eu les épreuves, mais après, il y a la victoire aussi. Hein. On n'est pas toujours dans l'épreuve. Il y a aussi la victoire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Genèse 22, verset 15, version du semeur. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, « Je le jure par moi-même,
parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. Abraham a su persévérer jusqu'au bout de ses épreuves parce qu'il ne regardait pas ici-bas, vers ce qui est passager, mais il regardait vers quoi ? Vers la rémunération. Parce qu'il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est ce qu'il regardait, Abraham. Vous savez, l'Ancien Testament ne diffère en rien du Nouveau. Vous le savez, ça. Car l'Ancien Testament était l'ombre des biens à venir. Et si Abraham attendait cette cité céleste, combien nous aujourd'hui, ben c'est de même. On l'attend. On attend cette cité céleste que Dieu, que Jésus-Christ est allé préparer pour nous. Et Dieu va confirmer sa parole par rapport justement à cette cité céleste, ses promesses. Hein. Apocalypse au chapitre 21 au verset 7, hein, Jean va nous révéler cela. Il dit « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Dieu confirme ses promesses. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni de cris, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et un petit peu plus loin, celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris ces paroles, car ces paroles sont certaines et vraies. Ils me disent, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. De l'eau de la vie. Et au verset 7, tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Alors comment ne pas veiller sur notre foi, vu les promesses que Dieu renouvelle chaque jour pour nous, cette cité céleste. Nous savons bien que sur ce monde, on ne pourra rien emporter et on n'en emportera rien de toute façon. Hein ? Mais ce qui importe aujourd'hui, ce qui importe, c'est de garder ces promesses que Dieu nous a faites. Hein ? Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Hein ? Donc je voulais aussi parler de Jacques, qui est important, mais on n'aura pas le temps, mes frères et sœurs. On n'aura pas le temps. Jacques nous parle aussi de la foi. Hein, pour pouvoir hériter justement ces choses, hein, il voulait nous donner des avertissements. Hein. On va lire juste Jacques 2, Jacques 2, verset 14 et 1. Verset 14. On ne va pas s'y étendre, mais c'est important de le souligner. Hein. Juste pour vous laisser un petit peu cette réflexion dans votre cœur. Par rapport à la foi. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Abraham, il avait la foi, mais il avait aussi les œuvres. C'est ce que Jacques nous explique aussi. Hein. Il en est ainsi de la foi, verset 17. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc si notre foi, elle est morte, est-ce qu'on peut bénéficier de toutes les promesses que Dieu nous a faites? C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'un chrétien qui n'a plus la foi,
On dit un chrétien qui se nague, c'est un chrétien qui, en réalité, il n'a plus la foi, parce qu'après, il va rétrograder. Il rétrograde, hein, il retombe dans le monde. Donc, en réalité, on n'a plus la foi à ce moment-là. Vous voyez? Puis, il y a des personnes qui se disent, « Ah, oh, mais moi, j'ai la foi. Moi, je crois en Dieu. » Mais où sont tes œuvres qui vont avec ta foi? Parce que la foi, elle va nous pousser à quoi? À porter des fruits dignes de la repentance. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Les fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit. Hein? C'est important. Béni soit Dieu. J'aurais aimé le lire avec vous. Galates. Vous voyez, je ne l'avais même pas noté sur ma note, ce n'était pas écrit. C'est Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc la foi, automatiquement, de cette foi, va découler tous ces fruits de l'esprit. La patience, la bienveillance, la joie, la paix, la patience. Hein? Comme je vous disais au début de ma prédication, je vous garantis que cette semaine, j'ai été éprouvé hein, par ma foi. J'ai été éprouvé dans ma foi. Hein, par la patience, hein, il faut qu'elle soit, on va dire, à rude épreuve à l'heure où tu es, à l'heure actuelle, la patience. Donc ça fait partie des fruits de l'esprit. Hein. Mais si on n'a pas la foi, on ne peut pas manifester ces fruits-là, hein, mes frères et sœurs. Donc d'où l'intérêt, d'où l'importance de faire grandir cette foi, comme un grain de chenevé. Ne brûlons pas les étapes, ça ne sert à rien. Un bébé, avant qu'il court, on l'apprend d'abord à marcher. Parce que vous savez, si on lui lâche la main, il va tomber, le pauvre, il va se faire mal. Dieu va agir pareil avec nous. Il veut agir pareil. Des fois, on voudrait, mais Seigneur, je ne comprends pas, parce que tu ne me confies pas ceci, tu ne me confies pas cela, et je voudrais faire ceci, et je voudrais faire cela. Attends, le Seigneur te dit. Attends. Chaque chose, on va dire, chaque chose en son temps. Bien sûr, chaque chose en son temps. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Dieu voit le zèle de notre cœur pour travailler pour lui. Il le voit. Il ne reste pas indifférent à cela. Non, non. Mais, petit à petit, apprends à marcher. Apprends à marcher. Apprends à marcher. Si Dieu donne un fils, par exemple, on va sortir un petit peu du cadre, mais si Dieu donne un fils à Abraham à l'âge de 35 ans, comme ça, Dieu lui dit, bon, écoute, voilà, je suis l'Éternel, ton Dieu, je te parle là, en vision, allez, tiens, demain, tu auras un fils. Bon, pas demain, dans 9 mois. Tu auras un fils. Dieu lui donne. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Abraham, il est content, il a un fils. Et si au bout d'un certain temps, Abraham va lui dire, Dieu va lui dire à Abraham, bon, maintenant tu vas le prendre et tu vas me le donner en sacrifice. Oula. Je dis, attends, Seigneur, attends. Oh, qu'est-ce que tu me demandes là? Qu'est-ce que tu me demandes? Oui, tu vas me donner ton fils en sacrifice. Mais non, Seigneur, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas me demander. Si, je suis l'Éternel, moi je veux que. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu fait. Dieu a fait faire des étapes à Abraham, justement pour que sa foi elle devienne endurante, hein, qu'elle soit endurante, et qu'elle arrive à une pleine maturité spirituelle. Et c'est ce que Dieu veut ce matin. Je ne sais pas pourquoi j'appuie sur ces deux mots, maturité spirituelle et endurance. Le Seigneur revient nous chercher. Il est à la porte. Et ça, on le dira et on le redira. Les signes ne nous trompent pas. Il y a l'Écriture, c'est marqué. Et si on a foi dans l'Écriture, on a foi dans la parole, et tout ce qu'on voit, on voit la main de Dieu agir. Donc l'endurance, mes frères et sœurs, et cette maturité spirituelle, c'est ce que Dieu veut ce matin. Dieu nous interpelle sur cela. Ça veut dire que le retour du Seigneur, peut-être ne va pas se faire tout de suite. Je ne sais pas. La Bible ne dit pas. Peut-être ce sera dans 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais pour l'instant, il nous faut endurer encore cette épidémie de Covid. Et vu l'état que ça part aujourd'hui, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, l'endurance et la maturité spirituelle, mes frères et sœurs. J'arrête là. Je ne veux pas combler. Je n'ai pas comblé quand le Seigneur ne me donne pas de pensée. Je ne le dis pas. Mais j'avais ça à dire sur mon cœur. Je voulais le partager réellement avec vous. Sur ces deux mots, maturité spirituelle et l'endurance. Amen. Vous voulez bien compris le Seigneur ensemble, mes frères et sœurs? Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons t'adorer.
Nous voulons tout simplement te glorifier, notre Dieu. Parce que, Seigneur, avant de te connaître, Seigneur, avant de te faire connaître à nous, tu avais mis, Seigneur, ton plan en œuvre pour chacun d'entre nous, Jésus. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous donnes cette grâce de pouvoir, Seigneur, eh bien, être dans ta maison ce matin, pour être à l'écoute de ta parole. Oui, Seigneur, cette foi, plus précieuse que l'or, Seigneur, éprouvée par le feu. Ce matin, tu veux nous mettre encore en garde par rapport à l'endurance, Seigneur, et cette maturité spirituelle. Seigneur, nous ne voulons plus, Seigneur, eh bien, dormir, on va dire, sur nos lauriers. Et si un frère ou une sœur, Seigneur, ce matin, serait un petit peu endormi, elle se serait un petit peu arrêtée, Seigneur. Mais relève-la. Relève cette personne. Souffle, Seigneur, sur elle, à seule fin qu'elle redevienne un brasier, Seigneur Jésus. Tu vois, Seigneur, cette endurance, Seigneur, dans la foi et cette maturité spirituelle, ce matin, je sais que tu parles au cœur. Je sais que tu parles dans nos cœurs, Seigneur. Et peut-être une personne particulièrement. Alors, Seigneur, je veux prier pour cette personne, ce frère, cette sœur, ce matin, qui peut-être aurait de l'impatience, Seigneur, dans son cœur, et qui peut-être serait sur le point de lâcher, Seigneur. Mais ce matin, tu ne permets pas que sa main lâche, Seigneur. Tu lui tiens la main, tu la saisis par la main, et tu la relèves, Seigneur. Ô Dieu de gloire, tu vois le désir de chacun dans nos cœurs de travailler pour toi. Mais nous ne voulons rien faire sans toi. Nous voulons réellement passer par cette école de la patience, cette école de la foi. Merci de garder mes frères et mes sœurs. Merci d'encourager ceux qui nous suivent par vidéoconférence, Seigneur. Tu les bénis là où ils se trouvent, Seigneur Jésus. Et que ta paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur humaine, nous gardera nos cœurs. Nous le savons, Seigneur. Alors garde-nous encore dans cette journée. Et que ces paroles qui ont été dites, Seigneur, peut-être avec maladresse, avec des mots, Seigneur, accrochés, mais qu'elles puissent avoir encore cet impact dans les cœurs. Au nom de Jésus, Père. À toi revient toute la gloire ce matin. La puissance est en ton nom, Jésus. Amen.